I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you. Bonjour les loulous, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc c'est un retour de course comme son nom l'indique, et retour de course en mode pas coiffé mais maquillé les loulous. Donc j'étais à Lidl, j'en ai eu pour 150. Oh, c'est relou, je vais pas arrêter, désolé. J'en ai eu pour 154 balles. Et étrangement, j'ai l'impression que Lidl, ça a vachement augmenté. Après, j'ai acheté pas mal de barbacs. Mais ouais, je trouve ça bizarre parce que je trouve pas que j'ai énormément de choses pour 150 euros. Sachant que j'ai acheté deux tapis qui m'ont coûté à peu près 10 euros. Donc voilà, si t'enlèves 20 balles, il reste quand même 150 balles. Et c'est pas blindé, quoi. Donc un petit peu chelou. Donc bref. Je le redis, hein, parce que vous aimez bien. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas pour ta mère, pour ton chien, pour ton voisin, pour ton amant. C'est pour moi, pour mon chéri. Et pour ma petite fille. Voilà. Donc, on commence. Donc, si t'es pas content, le rageux, tu te barres. Et on commence cette vidéo. Tout de suite. Je sais pas s'il y aura vraiment d'ordre, parce que je suis pas douée pour ça. Donc voilà, donc je te préviens tout de suite. Alors, j'ai pris de la brioche comme ceci, je la prends très souvent, franchement je la kiffe, elle est très très bonne. Du maître Jean Pierre, donc voilà, de la brioche, tout ce qu'il y a de plus classique. Il y avait les petites décorations de Pâques, les petits machins de Pâques, les petits œufs, les petits machins. Moi je me suis dit, on va pas prendre de la cloche ou du lapin, on va prendre des coccinelles. Coccinelle demoiselle bête à bon Dieu, coccinelle demoiselle vole vers les cieux. Petit point rouge, elle bouge, petit point blanc, elle attend. Petit point noir, coccinelle au revoir. Donc voilà, donc des coccinelles, et c'est de cette marque là. C'est commerce équitable, voilà, pour information. J'ai trouvé tout choupi et je me suis dit pourquoi pas, et ça va aller moins de 2 balles. J'essaie quand même de m'organiser les enfants. Donc du fromage râpé. J'ai vu que Gwen l'avait acheté aussi, et franchement Gwen on l'a acheté en même temps. Donc j'ai pris celui-là. La fille qui ne sait plus me parler, quoi. Fromage râpé, en fait c'est 3 fromages. À l'intérieur vous avez, attendez, je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a de la mozzarella, du fromage à pâte dure et de l'emmental, voilà. Et franchement Gwen a raison, il est très 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 bien. Je vous recommande, et allez voir la chaîne de Gwen. Ensuite j'ai pris une petite meule fruité, comme ceci. Je me suis dit, pourquoi pas, on va tester. En ce moment, je suis encore en stade de la grossesse, et les enfants, j'ai tellement envie de fromage, même si en théorie, tu dois prendre que du pasteurisé. Oh, j'ai pas regardé. J'ai pris ensuite du roquefort, comme ceci, saveur de nos régions. Et pour information, Lidl n'est plus un discount, hein. C'est peut-être pour ça que c'est un peu plus cher, mais je pense pas. C'est un magasin traditionnel, ça fait quelques années que c'est plus considéré comme un magasin de hard discount. Voilà, petite parenthèse. On continue. J'ai ensuite pris du gruyère comme ceci. Pareil, de la même filiation. Les régions, les saveurs et tout. Un cœur de Savoie comme ceci. 10 mois d'affinage minimum. Donc voilà, et je pense... Ah non, attendez! J'allais dire, je pense que c'est tout pour le fromage. Bah non, parce qu'il y a la petite mozzarella. Donc mozzarella comme ceci, XXL. C'est pas mal parce qu'en fait, vous avez 2 boules à l'intérieur. Donc du coup, j'ai 4 boule, je suis gourmande. Qui dit produit laitier dit aussi yaourt. Et pris des petits filous comme ça. Bon, ça, je vous avouerai que c'est pour moi, c'est pas forcément pour la petite choupette. J'en prends aussi. Alors, il y a quoi là-dedans? Oui, désolé, j'ai fait l'accent petit nègre, mais j'ai des origines africaines. Donc, le rageux, vient pas me dire que je suis raciste ou je sais pas quoi. Continuons. Fraises, fruits rouges, abricots, bananes. Pêche et framboise, ok. Vous en avez 24 à l'intérieur. J'ai ensuite pris des profiteroles comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas. Vous en avez 4 à chaque fois. Et j'ai repris des petits, qu'est-ce que c'est, des gâteaux de riz qui sont très très bons. Je les ai achetés il n'y a pas très très longtemps et ils sont très 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 très, très bon. Je crois que j'ai des produits congelés. Ils sont où les cookings? Vous êtes où? Ouais, donc du coup, je vais vous présenter les 2 produits congelés. Comme ça, bah du coup, j'ai mis à la congélation. J'ai pris ça, c'est des espèces de panini, on va dire, entre guillemets. Il y a plein de sortes différents. Il y a raclette, 3 fromages, tout ce que tu veux, couscous, tout ce que tu veux. Mais moi, j'ai pris 3 fromages. Je pensais en avoir pris 2,
Mais ah si, j'ai pris aussi hop, là, la tartiflette, comme ça. Donc à l'intérieur, vous avez à chaque fois trois petits emballages. Et vous savez, c'est un petit peu comme... Chiton, faut que j'arrête. Comme des petits... Qu'est-ce que c'est comment te montrer. Voilà, tu vois là. Ça monte plus que moi. Trois petits sachets à l'intérieur, donc du coup, il y en a six au total. Et un truc que je ne connaissais pas, je me suis laissé tenter par ça. Je me suis dit, pourquoi pas. C'est aussi congelé. Je ne sais pas ce que c'est. C'est des rolls, et dedans, il y a du chicken. Alors, des rouleaux de printemps avec 7% de jambon cuit et 7% de viande de poulet. Ok, donc on va voir, on va tester. Donc ça, je mets au congélo coco. C'est tout ce que j'ai pris pour le congelé. Donc du coup, on va passer à la barbac. Alors, je me suis dit... trop envie de ça. Donc je me suis pris deux entrecôtes comme ceci. Alors je sais pas pourquoi il y a la tête de Francis et Gabriel. Une rémunération juste pour nos éleveurs. Ok, viande bovine française avec le petit label. Sachez que celui-là, c'est le seul label officiel qui dit que votre viande est uniquement la viande, parce que vous pouvez l'avoir sur des lasagnes ou ce genre de choses, lasagne de cheval, qui dit que la viande vient de France. C'est le seul label officiel que vous pouvez avoir juste pour la viande, parce qu'après vous pouvez très bien acheter un hachis, mais je sais pas, les patates elles viennent du Maroc, du Mexique, ou tout ce que tu veux. Voilà, petite information. Ensuite, j'ai pris deux escalopes de dinde, comme ceci. Hop là. Par contre, il y en a une qui s'est ouverte pendant le transport, donc ça c'est un petit peu chiant. Mais bon, c'est pas grave, on va mettre un petit peu de scotch. Je me suis laissé tenter par ça, et franchement je kiffe, j'en avais déjà acheté. Je vous en ai parlé dans mon précédent retour de course, donc du coup j'en ai pris deux pochées. C'est très très bien, par contre je vous avais dit que c'était pas épicé, mais en fait c'est un petit peu épicé, mais pas trop. Parce qu'il existe aussi les chicken wings comme ça, mais qui envoient du pâté niveau épices. Je vous l'ai déjà dit dans mon précédent retour de course. Ça fait mal aux fesses, ça fait mal aux fesses. Et à l'intérieur, vous avez trois grosses... Alors attendez. Hop, trois grosses trucs de poulet. Hop, et vous avez deux sauces. Vous avez une sauce curry et une sauce barbecue. Et en fait, voilà, vous voyez, vous avez... Hop, trois trucs comme ça de poulet. Et franchement, c'est pas mal. Alors du coup, je vais vous dire ce qu'il y a comme... Ouais, en fait, ouais, il y a pas mal de... Voilà, je vous avouerai qu'il y a pas mal de saloperies à l'intérieur. Donc voilà. Hop là. Je vous laisse se regarder. Après, comme j'ai dit, les courses, c'est pas pour ta grand-mère. Je fais des bisous à ta grand-mère. Petit plat industriel pour la grand-mère. Je me suis tentée par un petit panini comme ça de montagne... du montagnard. Je me suis dit, pourquoi pas, on va tester, on va voir ce que ça donne. Et, pour les origines, pas les miennes, hein, mais j'ai pris aussi un panier du ch'ti. Alors, j'espère qu'il y a du maroël dedans. Oui, il y a du maroël. Qui dit... Je vois que tu dis ch'ti, t'es obligé de dire maroël. J'aime pas, je suis comme ça. Comme si tu disais, ouais, t'es un peu noir, je disais banane. Je sais pas, c'est... Non, j'aime pas. Et montagnard, alors qu'est-ce qu'il y a? Bah, fromage à raclette. Ben oui, forcément. On continue. Ah merde, c'est congelé aussi, ça. J'ai pris un parmentier de porc, comme ceci, à la patate douce. Ça va être trop bon, ça. Et pareil, vous voyez, il y a le petit label là, hop, qui dit que le porc provient de France. Mais par contre, après, il y a d'autres choses. On sait pas, voilà, on sait pas d'où ça vient. On peut pas savoir. Continuons, les amis, continuons. Cordon bleu de poulet, comme ça, hop, sans huile de palme. Et là, vous avez... Ah bah là, c'est pour la volaille. La volaille française. L'autre, c'était pour le porc français. Là, c'est la volaille française. Par contre, je sais pas si c'est le logo officiel, lui, parce que... Je sais pas. Faudra que je me renseigne là-dessus. Ensuite, j'ai pris du jambon, comme ceci, tout ce qu'il y a de plus simple. Sans couane. Et du jambon cru italien. Italien, ma fille. Toujours dans la viande, j'ai pris un petit haché de bœuf comme ceci, qui fait 500 grammes. Je suis dégoûtée parce qu'en fait, je voulais prendre un kit pour faire des faritas, mais j'ai carrément zappé, c'est pas grave. J'ai pris ensuite des petites pizzas comme ça. Nous, personnellement, on les customise, de toute façon, toutes les pizzas, à part peut-être les Sodebo, et encore, on les customise un petit peu, on rajoute des petits fromages et tout. Et oui, tout ça pour dire que, d'un, on les customise, de deux, on les met directement au congélo, ce genre de petites pizzas. Donc j'en ai pris une... chèvre, lardon, une autre jambon, champignon, hop là, et une autre jambon, fromage, hop là. Et si vous voyez la date limite de consommation qui approche, c'est parce que j'ai beaucoup de retours de retard dans mes retours de course. Voilà. Mais ces articles, vous pouvez toujours les trouver régulièrement
chez Lidl. Ensuite, j'avais trop envie de prendre ça. Un gratin savoyard à l'Emmental de Savoie qui fait 1 kg. 4 minutes au micro-ondes, je ne vous conseille pas, ou 15 minutes au four traditionnel. Ça se présente comme ça. Et franchement, ça a l'air super, 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 super bon. Allez, congélation des pizzas. Autre petit barbac, je me suis pris des petites knackis, comme ça, tout ce qu'il y a de plus simple. Des knacks, pas des knackis. Attention, c'est pas la marque. Sinon, produit industriel, un produit que j'aime beaucoup. Ah, j'ai pris 3 trucs différents. J'ai pris des petits wraps comme ça. Donc, wrap poulet. Poulet rôti, comme ceci. J'ai pris un autre bacon grillé, œuf, tomate mariné. Ça a l'air plutôt pas mal. J'avais pas envie de prendre. Il existe aussi en fromage de beurre, mais franchement, ça me donnait pas envie. Et enfin, je l'adore, mais je m'en suis un petit peu lassée. Et sinon, j'ai pris jambon cheddar, comme ceci. Et ça, franchement, je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. C'est tout, ouais, c'est tout pour la viande. Ah, attendez, j'ai oublié ça. J'ai pris aussi des tomates farcies. Franchement, elles sont pas exceptionnelles. J'aurais dû passer à grand frais, mais j'avais une grosse, grosse flemme de passer à grand frais. Et voilà, tomates farcies, voilà, elles ont rien de ouf, mais... Mon chéri m'a dit, achète des tomates farcies. J'ai dit, ok, j'achète des tomates farcies. J'ai pris des petites grignotes aussi mexicaines. J'avais oublié ça. Plein de saloperies là-dedans, comme d'habitude. Vous pouvez consommer chaud ou froid. Ils disent que ça fait 2 personnes, mais que vous soyez enceinte ou pas. Franchement, honnêtement, moi, en un repas, c'est fini, c'est plié. Après, je suis, comme je l'ai déjà dit, très gourmande. Je sais, je devrais pas. Mais j'ai pris 2 paquets d'eau, comme ceci. Vous en avez, hop! C'est posé, c'est posé, j'y touche plus, j'arrête, j'arrête. Comme dans Top Chef, c'est fini. Vous en avez 6 packs de 1,5 kg. On va passer aux fruits et légumes. Ouais, allez. Des petits citrons comme ceci, bio. J'en ai pris 3 pochés. Voilà, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Pas parce qu'ils sont bio, hein, mais parce que j'avais envie de prendre des citrons et je ne trouvais pas les pas bio. Ensuite, j'ai pris des oranges. Vous voyez, j'achète un peu plus de fruits. Donc des oranges comme ceci. Vous avez 3 kilos à l'intérieur. Parce que mon chéri arrête de boire du jus de fruits et c'est très très bien. J'ai ensuite pris, juste pour faire des miniatures de photos pour le petit bébé, mais ça va me servir pour les petits plats de bébé, des 2 patates douces comme ceci. Tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai aussi pris une butternut. Ouais, c'est comme ça qu'on dit, une butternut. Donc voilà, 3 petits avocats. Hop, le classique, la base. La base, la base, la base. Juste pour faire une miniature, hein. De vidéo, j'ai pris un chou, mais bon, vous inquiétez pas, je vais le consommer. Donc un gros chou comme ceci, un gros chou, hop, tu te poses là mon chou, merci. On adhère, on adhère, on adhère. Des petites tomates cerises comme ceci, franchement celles-là je les kiffe, elles sont très 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 bonnes. Je vous les conseille à 2000%, elles sont excellentes. Donc j'ai pris deux paquets. Il y avait des fraises, je me suis dit pourquoi pas. Alors c'est pas parce que je suis enceinte que j'ai envie de fraises, mais quoique, parce qu'en général j'aime pas les fraises. Donc je me suis dit pourquoi pas, elles viennent d'où celles-là? Je sais pas, je sais pas. Des Perpignan? Non, c'est conditionné à Perpignan, mais elles viennent d'Espagne. Donc des petites fraises espagnoles. Oh là! Des petites tomates comme ceci, des petites, c'est dur à dire, des petites tomates comme ceci, elles sont de cette couleur-là, non pas qu'elles ne sont pas mûres, mais elles sont mûres, et ces tomates-là, cette sorte de tomates, des tomates côtelées, je les avais déjà achetées à grand frais, et franchement, elles étaient super bonnes, donc je vous les recommande. Et voilà pour les fruits et légumes, pas énormément de choses. Dans la catégorie fourre-tout, j'ai pris de la crème bio, mais non, je vais pas passer au bio, de la crème entière comme ceci. Hop, des petites saloperies comme ça pour mon chéri. Ça, entre guillemets, c'est des dupes de Belvita, et franchement, je vous les recommande. C'est super, 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 super bon. Après, c'est pas très sérieux, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Encore des œufs, on cache, on cache, on cache des œufs quand même bio. Voilà, il y en a 6 à l'intérieur. De la farine de blé, mon coco, et oui. On continue, c'est presque fini. Un petit gâteau moelleux aux pommes, comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas, Jean-Pierre? Pourquoi pas? On va tester. Et j'ai pris un petit pain. Un petit pain, comme ça. Hop, il sent super bon. Je vais me faire un petit Saint-Félicien avec un petit bout de pain, ça va être... Madre de Dios. Et enfin, le dernier article, je suis super contente de l'avoir trouvé. Je ne le cherchais pas, mais je l'ai trouvé quand même. Un grand tapis.
Tu me vois ? Tu me vois plus ? Tu me vois ? Tu me vois plus ? Il est énorme. J'en ai pris deux, du coup. Parce que, tant qu'à faire, autant que ce soit deux fois plus énorme. Bref, il fait 70 sur 120. 70 cm sur 1m20, t'as compris l'histoire. Donc voilà, il existait aussi en bleu, mais je n'aimais pas du tout. Et moi, je trouve que ce sera nickel pour ma salle de bain. Et pour information, derrière, il a un truc anti, tu marches dessus, tu peux pas tomber, tu peux pas te péter le coup du lapin. Voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Cette vidéo, elle est finie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des inspirations, que vous avez compris. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à aller voir si c'est pas déjà le cas. Ouais. J'en veux plus, je me fatigue en fait. Mais j'ai très très faim. Il est 17h, la petite est en train de dormir. J'ai juste qu'une envie, c'est manger. C'est pour ça que je suis au taquet, que je suis un petit peu casse-bonbon. Voilà, ceci explique cela. Je suis pas toujours comme ça. Quoique, bref, je te remercie beaucoup de m'avoir regardé. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une très bonne continuation. Fais attention à toi, fais attention à tes proches. Préserve tes proches, ta famille, tes amis, c'est ce qui compte le plus. La vie est très courte et on sait jamais. Le coup du lapin, si t'as pas le truc anti-dérapant, voilà. Donc fais attention à toi et vis chaque jour comme si c'était le dernier. Non, c'est pas ça la chanson. Bref, plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine. Okay, ciao, vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see. We could be true, we could be true. I want you to see what I see in us.